Thank you.
semaine, le Seigneur t'a gardé. Il a veillé sur toi. Parce que si tu viens ce matin, c'est par sa grâce. Bien-aimé, dans cette position, tu vas donner le front d'acclamation. Bien-aimé. Je dis d'acclamer le roi de Shalom.
verset 14. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et bénira, Seigneur, les hommes de tes mains. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même. Quand nous prenons le livre de Hébreux 10, le verset 9, je pense bien. La parole déclare, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimé, tout le long de cette semaine, tu as parlé beaucoup. Tu as fait des choses. Ce matin, bien-aimé, la Bible dit donc, c'est quand c'est muni devant lui. Bien-aimé, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité devant le roi de gloire. Et tu vas lui demander pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tous tes péchés, pour tous tes dits. Tu n'as pas glorifié le Seigneur. Pour tous tes actes que tu as eu à poser, tu ne glorifies pas le roi de gloire. Bien-aimé, qui que tu sois, fléchis sur genoux devant le roi de gloire. Et on commence à demander pardon. Comment ça t'est reparti? Et que vous êtes mon nom. Subis et cherche ma face. Si tu tournes de ses péchés. Subis et cherche ma face. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix ce matin. Bien-aimé, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. La parole du feu. Là où tu as personne sont ensemble, Et là, tu peux rien cacher devant le roi de gloire. La vie de Père, celui qui prospère, ne prospère point. Celui qui cherche ma place, qui est Yeah.
Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, je suis là qui t'a montré les cartes. Je prie au nom de Dieu. 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 Je prie au Comment ça va dans le sang de la mort?
Yeah.
nom de Jésus. Je suis l'éternel de ta mère. C'est lui là qui vous a appelé. Votre cœur s'est fermé. Votre cœur s'est fermé. Votre cœur s'est fermé. Votre cœur s'est fermé. Je suis l'éternel qui siège dans l'adoration. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Adorez-moi. Déchirez votre cœur. Déchirez votre cœur. Car je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Déchirez votre cœur. Déchirez-les. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu as tenu le vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous savons que il y a un Dieu qui a fait de nous des vivants ce matin. Amen. Pendant que d'autres sont accompagnés ce matin à leur dernière demeure. Mais Jésus n'a pas permis à ce que nous soyons aussi conduits à ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus nous a donné la vie. Amen. Pendant que nous dormions, Jésus a combattu pour nous. Véritable. Tenez-vous levé. Que tout le monde se lève. On ne s'amuse pas dans la présence de Dieu. Lorsqu'il s'agit d'adorer Jésus-Christ, déchire ton cœur. Adorer Jésus ne veut pas dire remercier Jésus. Il faut déclarer des paroles. Dis-lui combien de fois il est puissant. Dis-lui combien de fois il est grand. Regarde sur la terre que nous marchons. La terre est suspendue. Mais qui la fait suspendue? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La terre n'est pas posée sur un support, mais c'est par le pouvoir de Jésus-Christ que la terre tourne dans l'espace. L'air que nous respirons, personne ne peut voir l'air, mais tu sais que tu respires quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les planètes autour du soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette terre, elle tourne autour du soleil. Pour faire jour, pour faire nuit. Pour faire jour, pour faire nuit. C'est Jésus qui fait ça. Amen. Jésus. C'est Jésus qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est Jésus qui appelle l'âme de mort. Et il revient à la vie. Amen. C'est Jésus qui règle toute la situation. Amen. Hein? Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Personne ne l'a créé. Il a existé par lui-même. Quand il s'agit d'adorer Jésus, tu dois déchirer ton cœur. Même s'il faut que tu pleures devant sa face, pleure devant sa pleure. Ah. S'il faut que tu te prosternes, tu t'écoutes pour l'adorer. Il faut l'adorer. Mais tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Amen. On n'adore pas Jésus dans la chair. Mais on l'adore en esprit et en vérité. Parce qu'avant d'être chair, tu étais d'abord esprit. Jésus t'a fait d'abord esprit. Et tu es sorti de lui. Tes fondements, tes racines sont à lui. Amen. Hein? Tu vas adorer Jésus-Christ ce matin. Comme tu ne l'as jamais fait. Bien-aimé. Tu vas élever la voix. Tout le monde, y compris les chants. Après, vous allez nous accompagner dans le chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Élève la voix. Dis la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous.
Alléluia. Amen. Qui est venu pour adorer le Seigneur? Qui est venu ici pour adorer le Seigneur Jésus? Bien aimé, être le soin de Dieu dans le monde. Notre corps, notre âme, notre esprit était livré à des choses. On glorifiait le diable dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Dans les bras, dans les maquis. Et par la grâce du Seigneur, il nous a retirés de là-bas, nous sommes venus ici. Et nous demandons de l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas? N'a-t-il pas dit que tu as droit de tenir ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées? Bien-aimé, de quoi tu penses? Quand tu es dans la présence de Dieu, on va oublier tous les soucis du monde. Quand on vient ici, on va oublier toutes les choses et puis venir dans la présence de Dieu. En esprit et en vérité. Combien de fois on a servi le monde? Combien de fois on a livré notre corps et âme pour le monde? Le Seigneur pourrait nous laisser dans des choses, dans ces péchés-là. Et puis mourir dedans. Et le résultat de l'enfer. Ils sont entièrement dans le séjour des morts. Mais Dieu t'a fait la grâce de l'adorer tout simplement. Il t'a donné la voix pour l'adorer, la bouche pour élever son nom. Et tu endurcis ton cœur encore. Bien aimé, changez le moyen d'adorer le Seigneur. Changez le moyen d'adorer le Seigneur. Lui-même a dit, c'est dans l'adoration que lui descend. Mais s'il ne descend pas pour nous conduire, si on a fait des sereins ou pas, si on ne descend pas sur les bonnes voies, comment il va nous conduire pour dire marcher ainsi, marcher cela? Bien aimé, il faut adorer le Seigneur. Au bout des soucis, c'est le petit message que je voulais apporter. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 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 Amen. Tu vas te délivrer. Et tu vas répondre à la chose. Tu vas déclarer des paroles qui vont toucher le cœur de Jésus. Amen. Hein? Les paroles qui vont toucher le cœur de Jésus pour qu'il soit content de nous. Alléluia. Amen. Élève la voix. Et adore. Élève la voix. Et adore Jésus-Christ. Saisis ton cœur. Sois un esprit. Et non sur la chaise. Sois un esprit. Adore Jésus. Voilà que tu l'adores. Il faut que tes pensées soient tournées vers Dieu. De toutes les pensées, soit tourné vers Dieu. La tempête est du mot. Avec les pensées ailleurs. Le vol est du mot. Mais les pensées sont bien. Adore ce qui est en train de se faire.
Thank you.
je prie pour t'adorer.
Je viens de recevoir deux versets. Nous allons les lire avant de continuer. Le Seigneur me fait savoir que, à travers ces cantiques, cette adoration, il devait descendre. Le Seigneur doit descendre. Et il a dit, nous sommes venus à sa présence avec le cœur fermé. Avec le cœur fermé. Et nous demandons avant, nous demandons pardon. Voici. Avant de l'adorer sincèrement. Afin que notre adoration soit agréable à ce Dieu. Père, nous avons lié un verset. Somme 100, le verset 2. Somme 100, le verset 2. Et puis 1 Samuel 20, le verset 25. Avant de continuer l'adoration. Alléluia. Amen. Somme 100, le verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. Amen. Bien-aimés, mais pourquoi nous venons dans la présence de Dieu avec le cœur fermé? Bien-aimés, il ne faudrait pas que notre adoration soit une malédiction pour nous. Il ne faudrait pas que notre adoration soit une malédiction pour nous. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre 1 Samuel 2, le verset 25. 1 Samuel 2, le verset 25. 1 Samuel 2, verset 27. 25. Je lis. Si un homme pêche contre un autre homme. Si un homme pêche contre un autre homme. Dieu le jugera. Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel. Mais s'il pêche contre l'Éternel. Qui intercédera pour lui? Amen. Amen. Qui intercédera pour toi? Qui intercédera pour nous, bien-aimés? Lorsque nous venons de la présence de Dieu avec le cœur fermé. Or, la parole déclare de lui est somme 100. Le verset 2. La Bible dit que de venir avec. Dans la présence de Dieu avec joie. Bien-aimés, ce matin. Il faudrait qu'à travers cette adoration, l'Éternel descende. Il faudrait qu'à travers cette adoration, nous montons vers l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas encore prendre une position d'humilité devant le roi de gloire. Et nous allons encore demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes venus encore à sa présence avec un cœur chargé. Avec un cœur rempli d'allégresse. Bien-aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il faudrait que nous laissions nos problèmes derrière. La parole dit qu'il a tout accompli. Tout a été accompli à la croix. Mais pourquoi nous venons toujours dans la présence de Dieu? Avec les cœurs chargés. Avec les cœurs remplis de mauvaises pensées. Bien-aimé, avant de continuer cette adoration, vous allez demander pardon. Tu vas demander pardon à Dieu. Il a dit lui-même tout à l'heure. Nos cœurs sont chargés. Nos cœurs sont chargés. Et nous n'avons même pas posé les pas dehors. Nous n'avons pas fléchi chez nous pour nous demander pardon. Demande pardon à Dieu. Afin que notre adoration soit agréable à lui. Afin que nous soyons à sa descente. Pour l'adorer véritablement. Pour l'adorer en esprit en vérité. Amen.
à l'Éternel. La Bible déclare que c'est dans la louange et l'adoration que le Seigneur, le roi de gloire, siège. Et bien, nous allons reprendre l'adoration. Nous allons reprendre l'adoration. Soyez disposés. Soyez disposés. Soyez connectés avec l'Esprit de Dieu ce matin. Je te rends gloire, Seigneur. 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 Je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je
Yeah.
Jésus,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vas donner le plan d'acclamation au roi de gloire. Chaque chose en son temps. Bien-aimés, nous l'avons adoré. Nous l'avons chanté à la gloire de notre Dieu. Il est temps maintenant de manger la nourriture de Dieu. Bien-aimés, nous avons ici appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Jérémie. Il va ce matin nous apporter la bonne nouvelle. Il va encore nous nourrir. Le Seigneur va l'utiliser puissamment. Amen. Le Seigneur va l'utiliser puissamment. Amen. Pour nous apporter encore une bonne nouvelle. Amen. Tu vas clamer le nom de Jésus pour la vie de son serviteur Jérémie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun va prendre son stylo. Il va prendre son cahier de notes. Le message du jour afin que chacun de nous puisse être édifié par certaines choses, par certaines situations que nous vivons. Parce que le Seigneur passe par certaines personnes pour vous parler. Toi, tu veux descendre, mais je te parle. Mais le Seigneur passe par des personnes interposées pour te parler. Afin que la santé que tu vis, le Seigneur le contrôle toutes choses. Amen. Et c'est un moment pour un temps, pour un enfant de Dieu. Le temps d'aujourd'hui, c'est une preuve d'un enfant de Dieu. On va prendre le livre de Jacques 1, verset 2. Nous allons prendre le livre de Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Lecteur. C'est une présentation moins. Clarifier quelque chose pour les enfants de Dieu. Jacques 1, verset 2. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Lis la parole de Dieu. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète. Les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Il est diverses. Épreuve. C'est bien. C'est divers. On dit divers, c'est qu'il y a plusieurs. C'est qu'il y a plusieurs dans la vie chrétienne. Mais ces épreuves-là, ce qu'il utilise, ces épreuves-là, ou bien les difficultés de la vie pour nous forger, pour nous aiguiser dans sa marche, dans la marche chrétienne. Afin que nous soyons parfaits. Nous soyons à l'image de Dieu le jour de l'enlèvement. Amen. Ou le jour de ta mort. Cette épreuve-là, je vais essayer de les scinder en trois parties. Cette difficulté, la première difficulté dans la vie chrétienne, c'est ce qui vient de Dieu, qu'on appelle absolument épreuve. Terre, que tu prends l'autorité, tu prends l'engagement de marcher avec Christ. On appelle les épreuves. Le Seigneur te met à l'épreuve afin de voir si tu es vraiment prêt pour lui, si tu es vraiment aguerri pour lui, si tu es vraiment venu à lui pour aller au ciel. La deuxième difficulté
ses yeux poussés par les mots des ténèbres. Oui, il y a la tentation, la persécution, les conspirations. Maintenant, la troisième difficulté, c'est dans laquelle nous-mêmes nous mettons nous-mêmes à travers nos actes. Donc, pour tout gravier, en grand, on va aller les difficultés qui viennent de Dieu, c'est-à-dire les épreuves qui viennent de Dieu. On va l'exposer dans l'île de Jacques 1, verset 2. On a déjà lu le verset. On va prendre Jacques 1, verset 3. Jacques 1, verset 3. Jacques 1, verset 3. Oui, mon frère. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Patience. Amen. Oui. On va déjà prendre 1 Pierre 1, verset 6. Pierre 1, verset 6. Verset 6. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, verset 7 maintenant. Au verset 7, oui. Afin que l'épreuve de votre foi, oui. Plus précieuse que l'or, oui, mon frère. Périssable. Périssable. En parenthèse, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Apparaîtra. Ce mot est sorti en moi. Homme de Dieu, pour montrer le prêt de Dieu, pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ veut voir ta foi dans sa marche, tu as parlé de Hébreux 11, verset 17. Verset 17, l'histoire d'Abraham. Hébreux 11, chapitre 11, verset 17. Oui. C'est par la foi, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, oui. Et qu'il offrit son fils unique, oui. Lui qui avait reçu les promesses. Les promesses. Ah. Mais à travers ce verset, le Seigneur. À travers ce verset, le Seigneur mettait Abraham à l'épreuve. Un enfant qu'il a tenu pendant 25 ans, et il avait 100 ans. Et le Seigneur te demande de sacrifier l'enfant. Je me rappelle très bien quand il était encore de l'autre côté de la voie d'âge. Cette question était posée. Elle m'a posé la question directement. Parce que où il était, il y avait la tribu de Jérémie, le chef. Elle m'a dit, ah, le chef de la tribu de Jérémie. Si c'était toi, moi j'ai répondu automatiquement, je ne le ferai pas. J'ai répondu automatiquement, je ne le ferai pas. Et la main question m'a dit, ah, j'ai dit non. Abraham, c'est le père de la foi. Moi, je suis Jérémie. Mais comme c'est Dieu qui demande à ce que je fasse, on peut le faire. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a vu la foi d'Abraham. Le Seigneur a vu le zèle d'Abraham. Mais nous, ça nous rappelle, le Seigneur peut s'accorder, la ligne de Romains dit, la ligne de la loi, c'est l'homme des choses à venir. En réalité, Abraham était Dieu, et Isaac était Jésus. Donc la réponse d'Abraham et d'Isaac était en réalité Jésus que Dieu devait sacrifier pour nos péchés, pour nos actes. Mais Isaac avait pris un cœur, avait pris le côté d'Abraham. L'amour pour Abraham, l'amour pour Isaac était tellement fort. Donc le Seigneur a mis cette épreuve pour poser l'équilibre entre lui et son enfant. Mais Abraham était fidèle. Abraham a été confiant. Donc chaque épreuve de notre vie nous permet de faire quoi? Nous permet de nous rapprocher de Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu es dans les épreuves. Je vous rappelle très bien, quand j'ai mis le pied à Jésus, revient. À 3 mois de cela, où tout a chamboulé, je me rappelle très bien, j'étais encore à la maison. Et j'avais le mégaphone, j'avais pris un coup. Mais comment faire? Étant assis à la maison,
ce qui me restait le plus précieux, c'était mon téléphone portable. Je m'appelle Redmi. J'étais assis à la maison. Mes frères, tu vas voir comment on peut évangéliser. Quand je vais deux fois, trois fois, la voix, ça va plus. Je dis, je vais aller voir mon téléphone. Tout le monde est scandalisé à la maison. Je vais aller voir mon téléphone. Ils étaient étonnés. Ils disent, c'est même pas le plus. Je dois le faire. Mais avant de partir, Dieu, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, quand je rentre au plaque, le premier plaque qui est là, j'achète mon téléphone. Mais quand je m'attends à Tchadou au plaque, la première personne qui est accostée au net, il a pris mon téléphone et dit, je vais mettre ton téléphone. Ça va de là, quand il prend le téléphone, le même chat est sur le mégaphone. Donc, toi, enfant de Dieu, dès que tu mets tes pieds à Jésus, dès que tu prends l'engagement de venir à Christ, sache que tu n'es pas épargné par l'impôt du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas épargné par les épreuves. Mais les épreuves augmentent notre foi, notre confiance en Dieu. Amen. Les épreuves nous permettent d'expérimenter la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. Les épreuves nous permettent d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Je cherche de même papa. Je me rappelle très bien. Quand j'étais mes frères, j'étais à la maison. Ce jour-là, je n'avais pas, même une seule fois, je n'avais pas. Je devais faire quelque chose. Étant couché à la maison, une maman qui rentre dit, le Seigneur me demande de tenir seul. Il dit comment? Elle était un, nous sommes 15 000 fois. Il dit, mais celle-là, elle a bien pour elle. Donc je suis sorti, en priant, le Seigneur me dit, c'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui ai fait cela. Et il expliquait sa parole qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Quand tu avais le Seigneur, le Seigneur demande la fidélité. Cette fidélité-là, c'est palpable. Pour moi, c'est la grâce que le Seigneur me fait. Ça, c'est une grâce. Parce que par exemple, vous me parlez. Il se rappelle bien la première année où ils ont décrété le 21 jour de chair à Jésus revient. Où il y avait les tumultes de Bénin. J'étais à la cabine matin pour eux. Et j'étais là. J'étais là, calculé l'argent du matin. Et un monsieur, un jeune homme, qui a presque mon âge, matin pour lever, me dit, bonjour frère, dit bonjour, ça va chez vous, ça va. Sans le prédire, dit, merci pour tout ce que tu fais. Il dit, comment ça? Moi, je ne le connais pas. Il dit, merci pour tout ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais. Il dit, bon, nous sommes là pour prêcher la Sainte Doctrine, avec les individus, pour se préparer pour le ciel. Il dit bon, bon, merci. Merci de m'avoir bien reçu. Je m'en vais. Il nous a su qu'il n'a pas fait deux pas, il n'est pas arrivé là. Quand j'ai sorti de là pour le regarder, il dit, laisse-moi descendre sur moi en même temps. Et là, je lui ai assis, il dit, ah, tiens, quoi, t'as entendu dans l'année. Mais j'ai senti que ce n'était pas là. J'ai senti que c'était l'Esprit de Dieu. J'étais venu pour le consoler. Dans les épreuves. Donc, attendez un peu de Dieu. Ne sois pas tourmenté par les épreuves. Ne sois pas tourmenté par les épreuves. Ne te lamente pas à cause des épreuves. Car le roi de gloire est avec toi. Amen. Les épreuves nous fortifient. Les épreuves nous apportent à abandonner notre sort, notre vie, notre situation dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tout enfant de Dieu, tout chrétien, tu as pris l'engagement de venir à Christ. Ne pense pas que ce sera tout. Non, non. Ne pense pas que ce sera facile. La preuve en est que, comme un être humain, c'est pour ça qu'on a dit, qu'on t'a dit, la nature ne t'atteint pas. Quand tu vas trouver chez un patron, quand tu vas trouver chez un patron, tu viens d'arriver chez lui, il va t'éprouver. Lui, il va t'éprouver. Parce que c'est une situation. On va voir qui tu es, quel genre de personne il y a à faire. Est-ce que lui peut continuer avec moi? Est-ce que ce n'est pas un voleur? Donc, enfant de Dieu, ce n'est pas le Seigneur qui va t'éprouver. Sache cela. Mais reste ferme, persévère, afin que nous puissions aller au ciel. Alléluia. Amen.
Et la difficulté ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça vient des mondes des ténèbres. Du moment où tu prends l'engagement de sortir du monde, du moment où tu prends l'engagement de sortir des ténèbres, l'ennemi va se lever. Oui, l'ennemi va se lever par les persécutions. Dans l'île de Job, Job était tranquillement chez lui à la maison. Et Satan se promenait. Il a vu Job, un homme intègre. Il dit, oh maître, tu lui as tout donné. Il a tout. Donc, il peut t'adorer comme il veut. Il dit, Job est un homme intègre. Job, c'est mon serviteur. Il dit, c'est comme ça, permets-moi. Il dit, permets-moi. Mais il ne touche pas sa vie. Attention pour Job. Ça ne vient pas de Dieu. Oui. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui a mis la main. Mais le Seigneur l'a permis. Et le Seigneur le permet. Afin de monter sa puissance. Afin de monter sa gloire. Afin que l'enfant de Dieu puisse savoir que dans les persécutions, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Dans les persécutions, dans les tout, le roi de paix est avec nous. Amen. Dans les tribulations, le Seigneur est avec nous. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Oui. Tu seras persécuté par les parents. Tu seras persécuté par les amis. Tu seras persécuté par l'entourage. Je donne un peu mon témoignage encore. Où il y a pour l'engagement de venir à Christ réellement. Donc il y a la Jésus revient. Deux mois plus tard, tout bascule. Il dit bien tout bascule. Travaille tout, tout. Je retourne à la maison. Mais la personne me donne où? De mes amis, de mes frères qui étaient à eux, même de mes parents. Vu son appel de Jésus est trop compliqué. Il est quitté au sang. Il se promène d'église en église. Oui, il se promène d'église en église. Ça, c'est quelque chose de triste encore. Mais à la maison, c'était tout seul de murmure. Tout seul de murmure. Tout le monde m'a abandonné. Il dit bien tout le monde. Il dit tout le monde, il dit tout le monde. C'est par la grâce de Jésus-Christ. Je suis encore là. Donc, tout le monde m'a abandonné. Il dit bien tout le monde, il dit tout le monde, tout le monde. Ceux qui sont avec moi, c'est des personnes que je viens d'appeler qui sont connues. En tant que soeur, en tant que frère, en tant que tante. Ceux qui sont avec moi, ce n'est pas chez ma famille. Ce sont toutes mes connaissances, mes amis que j'ai aidés, tout le monde m'a fui. Donc les persécutions viendront partout. Mais le Seigneur Jésus-Christ reste fidèle. Et il permet cela afin d'aiguiser nos foi. Amen. Et la Bible va dire aussi aux Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Tout concourt ceux qui aiment Dieu dans tout. Notre marche, dans toutes nos pensées, dans toutes nos vies. Je ne dirai pas aujourd'hui, comme c'est difficile, il peut tout fermer, mais le Seigneur a une porte pour toi. Amen. Il peut tout fermer, tu peux pleurer, mais le Seigneur a une porte pour toi. C'est lui qui ouvre la porte où personne ne peut le fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut l'ouvrir. Mon frère et ma soeur, ce message est pour toi. Ce message est bien pour toi. Amen. Afin que tu ne sois pas dispersé de tes pensées. Amen. Afin que tu puisses dire non. Comme je suis fatigué, je vais retourner encore. Là-bas au moins, je peux avoir de quoi manger. Là-bas au moins, je peux travailler. Là-bas au moins, je peux vivre paisiblement.
mon frère, ne te trompe pas. La véritable vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. La véritable vie, c'est dans la sainte doctrine. Pas hors de la sainte doctrine, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas facile de laisser la vie du monde et venir à Christ. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous ne devons pas murmurer par les moments difficiles. Oui, les murmures. Enfant de Dieu, les murmures. Nous murmurons à l'heure des genoux. Moi-même, j'étais un papa. En cela, le Seigneur, je ne sais pas m'interpeller. Quand c'était difficile, il est très difficile. Il est bien très difficile. J'ai murmuré. Je me suis mis dans quoi? C'est quoi ça? J'ai travaillé, j'étais à l'aise. Mais c'est quoi ça encore? Mais elle, je ne sais pas m'interpeller en prière, me dit, Jérémie, ma grâce te suffit. Dis, ma grâce te suffit. Donc toi, enfant de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ te suffit ce matin. La grâce du Seigneur Jésus-Christ te suffit ce matin. Ne regarde pas les peines de ce monde. Ne regarde pas la peine de ce monde. Un jour, je priais. Je me murmurais même. Je dis, ah Seigneur, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils ont cru. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils travaillent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont chez eux. Ils ne connaissent pas Dieu. De jour au lendemain, ils marchent comme ils veulent. Mais pourquoi? Nous avons pris l'engagement de marcher vers toi. Tout est difficile, tout est resserré. Mais dis à Jérémie, reste ferme. Reste ferme. Toutes ces choses passeront. Toutes ces choses passeront. Il sait d'où il est tiré. Reste ferme. Ferme mon œuvre. C'est à partir de là que les murmures ont commencé à cesser. Il commence à prendre conscience de quelque chose qui a mis mes pieds dedans. C'est maintenant qu'il comprend que j'ai mis les pieds dans la vérité. C'est maintenant qu'il comprend que où j'étais avant, j'étais à l'aise. Je vivais la vie comme je voulais. Je mangeais comme je voulais. Je voyageais comme je voulais. C'était une vie qui m'amenait à l'enfer. Donc, toi, enfant de Dieu, tu es persécuté. Toi, enfant de Dieu, où les parents outragent. Toi, enfant de Dieu, où tes amis. Tes frères t'ont abandonné. Prends conscience. Reste ferme. Prie pour eux. Je te le dis, même ma propre mère m'avait abandonné. Je dis plus au fond. Ma propre mère m'avait abandonné. Mais par la prière, maintenant ça s'appelle. On cause, on rit. On débute tout le monde m'avait abandonné. Donc sache que le Seigneur est avec vous. Et toutes ces choses, c'est pour sa gloire. Oui, les murmures. Cela amène. Elle amène avec vous-même. Oui. Quand tu murmures trop, tu es dans ton coin, visage serré. Tu n'es pas content. Ton cœur est endurci. Tu vois tout à mal. Tu murmures envers les autres, comme il le dit de suite. Mais tu murmures envers l'Éternel. Tu deviens amer avec l'Éternel. Et quand c'est comme ça, le Seigneur n'a plus compassion de toi. Non, mon frère et ma soeur, pense à ton âme. Tu vas lui dire 1 Pierre 4, verset 12. Et dit le Seigneur. Après le chapitre 4, 12 à 13. Verset 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas comme toute chose étrange qui vous arrive, que la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez ainsi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia, amen. Paul 1, 4, 5, 19 à 19. Verset 19. Verset 19, oui. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, verset, tu es déjà comme un enfant de Dieu qui doit vivre des épreuves, qui doit passer par le feu.
qui doit passer par cette situation afin d'être forgé. Afin d'être forgé. Afin d'être un témoignage. Si tu ne passes pas par les épreuves, par les persécutions, comment pourrais-je, toi, rendre un témoignage un jour, être dans la chair, dire, ah vraiment, je suis passé par là. Mais il faut que tu aies un témoignage. Mais l'essentiel de tenir, c'est de persévérer. Afin qu'un jour, nous puissions aller au ciel. Il y a la tentation. On a déjà parlé du livre de Matthieu 4, verset 1 à 7. Où le roi de lui-même a été tenté. Matthieu chapitre 4. Le verset 1 à 7. Oui. J'ai lu la parole dans le nom puissant. J'ai lu la parole de l'homme. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui. Si tu es le fils, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Donc, enfant de Dieu, à travers ce verset, le roi de gloire, Jésus de Nazareth, rempli de sa plénitude, de sa puissance, a été tenté. Donc ce qui est arrivé au bois vert, arrivé au bois sec. Quand, enfant de Dieu, les tentations viendront. L'ennemi viendra te tenter. Mais c'est à toi de pleurer le Seigneur Jésus-Christ. Afin de pouvoir sortir ces tentations. C'est à toi de pleurer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu puisses sortir ces tentations. On va dire 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous comprenez cela. Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Afin que vous puissiez la supporter. Donc, enfant de Dieu, voici le verset que le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit que toute tentation qui vient vers toi n'est pas au-dessus de toi, mais il y a l'Esprit de Dieu. Le Seigneur peut savoir dire ce qui est en toi est plus fort que dans le monde. Donc, toi, enfant de Dieu, quelles que soient les tentations de l'ennemi, tu dois faire face, demander la grâce du Seigneur afin qu'il puisse te délivrer. Mais les difficultés qui viennent de nous-mêmes, il y a les épreuves qui viennent de nous-mêmes, c'est-à-dire quoi? Nous venons à Jésus-Christ. Nous demandons pardon au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a pardonné pour le péché. Mais les conséquences de ces péchés-là, tu vas les subir. Même en Jésus, les conséquences des péchés, tu vas les subir. On le dit à mon livre de Galates 5, verset 19. Lire quelque chose. Galates 5, verset 19. Oui, monsieur. Or,
Les épreuves de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Comme tu veux la je voulais juste. Les épreuves de la chair. Et Dieu dit bien de nous-mêmes. Pourquoi? Il y a des décisions que nous prenons. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous posons cela la chair. Il y a des êtres posants. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous faisons la chair. Et à travers ces actes, il y a des conséquences. Ça devient des épreuves pour toi-même. Parce que ça vient de toi. Ça vient de toi-même. Ça vient de toi-même, par exemple. Quelqu'un t'est poussé par les pulsions de la chair. Un frère ou une soeur qui désire se marier. Ou la désir est prise par la chair. Attention. Ou la désir est prise par la chair. Mon frère, là c'est un fardeau. Tu t'es marié dans la chair. C'est un fardeau. C'est une épreuve que toi-même tu as créée. Tu as oublié de subir jusqu'à la fin de tes jours. Donc, peuple de Dieu, soyez vigilants. Peuple de Dieu, ayez le discernement. Peuple de Dieu, demandez toujours l'approbation du Seigneur Jésus-Christ avant toute seule décision. Sinon, ça sera une preuve pour toi. Et là, le Seigneur Jésus-Christ sera assez de te regarder parce qu'il n'a pas demandé son soutien. Donc, en ce matin, le Seigneur Jésus-Christ vient te dire que les épreuves sont là pour te fortifier, que les épreuves sont là pour pouvoir te mettre sur les rails de certaines choses. Les épreuves sont là. Avec enfant de Dieu, nous serons parfaits. Nous serons à son image. Que la gloire du Seigneur soit avec nous. Et sa main puissante, sa main triomphante soit avec nous. Alléluia. Amen. 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 Tu vas te tenir debout et tu vas clamer le roi de gloire. Attends Jésus. Regardez dans cette position, tu vas élever la voix. Et tu vas recommander le serviteur de Dieu dans la main de Dieu, lui-même encore. Tu vas le dire à l'Éternel de se souvenir de son serviteur et qu'il puisse le remplir encore davantage. Amen. Bien-aimé, prie. Nous sommes exercés dans le nom de Jésus. Amen. 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 Il y a l'homme de Dieu Chabra qui a reçu un message du Seigneur. Amen. Pendant cette semaine. Quand nous allons l'appeler, on va nous donner le message du Seigneur qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. La marche vers le ciel est difficile.
comme Jean pouvait le dire, que le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Amen. Et le chemin est très étroit. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, durant cette semaine, le Seigneur m'a donné un message que je dois adresser au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que parmi nous, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des femmes, il y a des jeunes. Et en ce qui concerne le ministère de Dieu, il y a les âmes de Dieu, il y a les chantres et il y a le peuple de Dieu. Il y a les intéresseuses aussi. Alléluia. Amen. Donc ce message est adressé à ces personnes-là. Gloire à Jésus. Amen. Je vais faire rapidement parce que le message est très long. Alléluia. Amen. On va prendre rapidement Proverbe chapitre 15, verset 15, verset 5. Rapidement, Proverbe 15. Bien-aimé, tu peux noter parce que c'est un message du Seigneur. Tu peux noter. Proverbe 15, verset 5. Et quelqu'un prépare Proverbe 17, verset 6. On va aller rapidement. Proverbe chapitre 15, verset 5. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 15, verset 5. Proverbe chapitre 17, verset 6. Proverbe 15, verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. L'insensé dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard. Celui qui a égard. À la réprimande agit avec prudence. À la réprimande agit avec prudence. Alléluia. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Oui. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Alléluia. Ce message est adressé aux enfants qui sont parmi nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit, toi enfant qui es parmi nous, il faut obéir à la voix de ton père. Il faut obéir à la voix de ta mère. Il faut obéir à la voix de tes parents. Et le Seigneur me dit comme ça que sans ça, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Amen. On va prendre Ephésiens 6, verset 1. Ephésiens 6, verset 1. Bien aimé, il faut noter toujours. Ephésiens chapitre 6, verset 1. Rapidement. Et puis quelqu'un prend Colossiens 3, verset 20. Ephésiens 6, verset 1. Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Oui. Enfant. Obéissez en toutes choses. Oui. À vos parents. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents. Toi qui es ici, qui es enfant, qui n'obéis pas à la voix de ton père. Bien-aimé, la malédiction de l'Éternel va te frapper. Alléluia. Amen. Parce que pour être béni, il faut obéir à la voix de ton père. Gloire à Jésus. Amen. Philippiens 6, verset 1. Ephésiens, pardon. Ephésiens 6, verset 1. Enfant. Obéissez à vos parents. Il faut obéir à tes parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. Il faut honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Je t'adresse le message du Seigneur. Toi enfant, ta maman t'envoie à la boutique et tu murmures. Ton père t'envoie, tu murmures. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le premier message. Le deuxième message concerne les parents. Alléluia. Proverbe 22, verset 6. Bien aimé, il faut noter. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
toi parent qui est au milieu de nous, toi maman, toi papa, la chose que tu dois faire à la maison, c'est d'instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Ne mets pas de télévision devant l'enfant. Il faut instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Et quand il grandira, qu'il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième message est adressé au Béa. Tite chapitre 2, verset 1 à 2. Tite chapitre 2, verset 1 à 2. Après Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2. Dis 2, verset 1 à 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Dis que les vieillards doivent être sobres. Honnêtes. Modérés. Saints dans la foi. Saints dans la foi. Dans l'amour. Dans la patience. Toi, vieillard, voici le message du Seigneur. Le vieillard doit être modéré, simple, honnête en toutes choses. Pas qu'il va au verset 6, prends le verset 6 rapidement. Au verset 6. Oui. Exhorte de même les jeunes. Exhorte. Les jeunes gens. Être modérés. Être aussi modéré. Voici le message du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième message est adressé aux femmes âgées. Gloire à Jésus. On va prendre toujours le livre de Tite, chapitre 2, verset 3. Tite 2, verset 3. Oui. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais ni médisantes. Ni à donner au vin. Elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari. Pour celles qui sont mariées. Toi, femme âgée, tu as intérêt à dire aux jeunes femmes qui sont dans le foyer déjà. À aimer leur mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un ministère dans la parole, dans la maison de Dieu. Chacun de nous a un travail à faire dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Le cinquième message. Est adressé aux intercesseuses, prophétesses. Alléluia. On va prendre Luc 2, verset 36 à 38. Fils de Cainan. Oui. Fils de Araf. D'Arphaxad. Oui. Fils de Sim. Fils de Noé. Luc chapitre 2. Verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait une prophétesse. Anne. Fils de Phanuel. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu sept ans avec son mari. Depuis sa virginité. Elle est restée veuve. Et âgée de 94 ans. Mmh. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Nuit et jour. Dans le jeûne. Et dans la prière. Voici le rôle des intercesseurs ou des prophètes et des prophétesses. Alléluia. Toujours dans la prière. Alléluia. Il faut les prendre. Il y avait une prophétesse. Anne. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et avait vécu
7 ans avec son mari. 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Restant veuve. Restant veuve. Elle, âgée de 94 ans. Âgée de 94 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Dans la prière. Alléluia. Amen. On sait que tu ne peux pas te mettre à la chaîne. Ton rôle, c'est de prier pour les hommes de Dieu. Ton rôle, c'est de prier pour le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour prier pour ta famille. Pour prier pour tes enfants. Prier pour tes projets. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc toi, prophétesse, intercesseuse, la parole de Dieu est adressée ce jour. Gloire à Jésus. Amen. Les femmes mariées, le sixième message est adressé aux femmes mariées. Philippiens chapitre 5, verset 22 à 23. Philippiens 5, verset 22, jusqu'au verset 23. Philippiens. Pardon, Éphésiens 5, verset 22 à 23, pardonnez. Éphésiens 5, verset 22 à 23. Éphésiens 5, verset 22 à 23. Éphésiens, après Galates, je crois bien. Éphésiens 5, oui. Verset 22. Verset 22 à 23. Femme. Femme. Soyez soumise à vos maris. Soyez soumise à vos maris. Comme au Seigneur. Comme le Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Il est son corps. Il est son corps. Et dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. Toi, femme mariée, le Seigneur te demande d'être soumis à ton mari. Même si ton mari n'est pas dans la sainte doctrine. Ton mari n'est pas dans la sainte doctrine. Quel que soit ce qu'il fait, bien aimé. Même s'il est sous là, il faut être soumis à ton mari. Gloire à Jésus. Amen. Il ne pratique pas la tête de tout comme toi. Mais il faut être soumis, c'est une obligation, c'est une loi divine. Gloire à Jésus. Amen. À toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, femme mariée, tu as entendu le message du Seigneur. D'être soumis à ton mari. Ok, voilà. Je te vois venir. Voilà. La soumission dont je parle, ton mari te dit, pourquoi mon œil n'est pas prêt? Pourquoi ma nourriture n'est pas prête? Et, bien aimé, tu es dans la soumission parce que déjà il te plaît, sa nourriture n'est pas prête, son œil n'est pas prêt pour aller te laver. Ah, tu es dans la soumission. Mais au moment où toutes ces choses sont prêtes, bien aimé, ça veut dire que tu es soumise à ton mari. Mais attention, à ce qui concerne la parole de Dieu, c'est là que Dieu te défend de ne pas faire. C'est là que Dieu te défend de ne pas faire. Par exemple, si pendant les fêtes de Noël, janvier, tout ça, ton mari te demande de préparer et de manger forcé, là ce matin, tu ne dois pas écouter la voix de ton mari. Alléluia. À ce qui concerne la parole de Dieu, de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans la soumission là, à ce qui concerne, comment dirais-je, les soins domestiques, c'est ce que tu dois faire pour ton mari, bien aimé, soit soumise. Si ton mari dit A, ne dis rien. Si il dit B, ne dis rien. Alléluia. Amen. Sois soumise à ton mari. Il dit A, ne dis rien, ne fais pas, bien aimé, de murmurer dans ton cœur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La femme, la fille ne répondait pas. Amen. Le septième message est adressé aux hommes de Dieu, aux prédicateurs. 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 6, verset 9 à 11. 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 6, verset 9 à 11. 1 Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, mm-hmm.
Tu seras un bon ministre. Tu seras un bon ministre. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi. Et de la bonne doctrine. Et de la bonne doctrine. Que tu as exactement suivi. Oui. Repousse les contes profanes. Oui. Et absurdes. Oui. C'est bon. Exerce-toi. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc ça reste là. Alléluia. Tout ce qui ne marche pas dans la sainte doctrine, avec la sainte doctrine, toi, âme de Dieu, tu dois rejeter toutes ces choses. Alléluia. On va prendre 1 Timothée 6, verset 9 à 11. 6, verset 9. Mmh. 1 Timothée 6, verset 9 à 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs, insensés, pernicieux, prennent des hommes dans la ruine, et la perdition, car l'amour de l'argent, est une racine de tous les maux, et quelqu'un, en étant possédé, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes. Dans bien des tourments. Continue. Au verset 11. Pour toi. Homme de Dieu. Fuis ces choses. Il faut fuir la cupidité. Et recherche la justice. Il faut rechercher la justice. La piété. La foi. La charité. La patience. La douceur. Je pense que le message est passé. Alléluia. Homme de Dieu, on dit de fuir la cupidité. Parce que la cupidité est la racine de tous les maux. Gloire à Jésus. N'aime pas l'argent. Alléluia. N'aimons pas l'argent. Gloire à Jésus. Amen. Le 8e message est adressé au chapitre. Alléluia. Amen. On va prendre Éphésiens 5, verset 19. Exode 15, verset 1. Et puis Psaume 59, verset 17. Éphésiens 5, 19. Éphésiens 5, verset 19. Oui. Entretenez-vous. Par des sommes. Par des hymnes. Et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant. De tout votre cœur. La louange du Seigneur. Rendez continuellement. Grâce pour toutes ces choses à Dieu. Alléluia. Pour toutes choses à Dieu, le Père. De notre Seigneur Jésus. Vous les chantez, voici le message du Seigneur. Tout ce que vous allez chanter comme cantique, comme adoration ou louange, doit inspirer de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, n'allez pas vers eux, mais laissez-les venir vers vous. Ça veut dire quoi? On ne doit pas toucher les films mondains ou copier la musique mondaine pour venir dans l'église. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Psaume 59, verset 17. Exode 15, verset 1. Exode 15, verset 20. Alors Moïse et les enfants d'Israël. Chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit. Je chanterai à l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Donc tous ces cantiques-là, ça vient pour savoir. Ça vient pour libérer. Ça vient pour fortifier. Ça vient pour édifier. Quand vous donnez un cantique, ça doit édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit fortifier le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prendre Psaume 59, verset 17. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin. Je célébrerai ta bonté. Car tu as pour moi une haute retraite. Alléluia. Un refuge au jour de ma détresse. Oui. Oh ma force. C'est toi que je célébrerai. Car Dieu.
Ah Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tout bon. Tout bon. Et ma voix te retient. Alléluia. Ces deux passages-là se complètent. Alléluia. Ça se complète. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous chantez, le peuple de Dieu est édifié. Maintenant, le dernier message est adressé aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Alléluia. Parce que plein aujourd'hui sont pressés pour se marier. Bien aimé, voici ce que le Seigneur te recommande. De faire sa volonté d'abord. Alléluia. On va prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre 5, 5. Oui. Et puis Genèse 2, verset 18 à 22. Genèse 2, verset 18 à 22. 1 Pierre 5, verset 5. De même. Vous qui êtes jeunes. Vous qui êtes jeunes. Soyez soumis. Aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels. Oui. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Alors la parole de Dieu est adressée, toi homme, toi jeune homme, toi jeune fille. Une grande personne te parle. En dehors de ta famille, derrière on te parle, tu n'écoutes pas. Tu es insoumis, tu es insoumise. Le Seigneur te dit d'être humble, de vivre dans l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. On va prendre Genèse 2, verset 18 à 22. L'Éternel Dieu dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma. Le Seigneur Dieu forma. Dans la terre tous les animaux. Oui. Les chats et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme. Oui. Pour voir comment il les appellerait. Oui. Et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnait l'homme. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Oui. Aux oiseaux du ciel. Oui. Et à tous les animaux des champs. Bon, verset 22. Au verset 22. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme. Oui. De la corde qui avait prise de l'homme. Alléluia. Et il amena vers l'homme. Donc, bien-aimé, ne te presse pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toi, jeune fille, toi, jeune homme, c'est le Seigneur qui marie. C'est le Seigneur qui donne mariage. C'est le Seigneur qui donne, comment dirais-je, garçon ou femme. Alléluia. C'est le Seigneur qui unit. Aucun homme ne peut unir depuis les années de guerre. Gloire à Jésus. Amen. Donc ne te presse pas de marier. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, verset 22. 1 Timothée 2, verset 22. Et puis 1 Timothée 4, verset 12. 2 Timothée 2, verset 22. Et puis 1 Timothée 4, verset 12. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis la passion de la jeunesse. Jeune homme, il faut fuir la passion de la jeunesse. Et recherche la justice. Il faut rechercher la justice. La foi. La charité. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur. D'un cœur pur. Repousse les discussions folles. Il faut repousser toute discussion folle. Et inutile. Sachant qu'elles font naître des querelles. Claire. Jeune homme, la parole de Dieu est adressée. Il ne faut pas coudoyer ceux qui vivent dans la pornographie. Il ne faut pas coudoyer ceux qui vivent dans les jeux hasards. Ne coudoie pas ceux qui vivent dans les plaisirs du monde. Mais toi, ton plaisir, c'est d'être dans la prière. Avec ceux, il faut avoir le rapport mutuel avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Amen. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. En conduite. Dans l'amour. En foi. En pureté. Alléluia. Ouais. Vous voyez, voici le caractère d'un enfant de Dieu. Chacun des jeunes filles, jeunes hommes doit avoir. Alléluia. Amen. Et dans la maison, vous pouvez méditer là-dessus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé. Voici un peu ce que le Seigneur m'a inspiré. Alléluia. Voici un peu le message que le Seigneur m'a donné pendant la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen.
Alléluia, excusez-moi. J'ai parlé des femmes mariées, je n'ai pas parlé des hommes mariés. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, homme marié. On va lire le passage. Ecclésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes. Il faut aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Donc ta femme te demande 1000 francs. Je n'ai pas 1000 francs. Pourtant, tu as 1000 francs. Donc ta femme te demande quelque chose. La chose là, tu as. Mais lui, je ne dis pas. Tu fais tes répartis. Ce sont les lois de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Donc Marie, il faut aussi aimer ta femme. Amen. En toutes choses. Amen. En toutes choses. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Les gens vont à un console pour les dire. Amen. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Amen. Vous voyez combien de fois le Seigneur nous aime. À chaque fois, il nous demande son amour. À chaque fois, il nous demande son amour. Voilà que nous interpellons encore à travers son serviteur Chadrach. Donc bien aimé, on va commencer à pratiquer cela. Tant qu'il te retrouvait dans ces choses, bien aimé, commence à sortir de là. Commence à abandonner ces choses. Tant qu'il n'aimait pas ta femme, bien aimé, commence à chérir ta femme. Toi femme aussi, tu ne respectes pas. Ne pas ton mari. Lui, à chaque fois qu'il dit un, tu dis deux. Comme nous sommes dans la sainte doctrine, est-ce que le monsieur n'est pas le porte main? Mais si le porte main net, c'est la porte. Donc là, qui dit un, tu réponds deux. Mais là, vous dites pas mon père. Ah, il est quelle heure? Bien aimé, réponds-toi de ces choses. Réponds-toi de ces choses. La parole dit, sois soumise. Oui. Regarde, lorsque nous étions en dans la voie d'âge, on nous enseignait ça. On dit, sois au soin de ton mari. C'est là que tu es qui ton travail. Même sa chaussure, tu dois réveiller. Amen. Oui. Amen. Tu dois lui demander sa journée, c'est passé pour moi. Ah, bébé, chérie, il ne faut pas appeler ton mari par le nom des animaux. Là. Faut lui donner un nom dans la Bible. Oui. Mon cœur, mon amour. Amen. Voilà, tu l'es chérie. Mais c'est la violence. Qui dit au travail, mais même pour lui donner l'eau à moi, c'est un problème. Amen. Qui te dit j'ai soif? Toi tu te réponds aux enfants, pour donner l'eau à ton papa. Oui. Oui. Donc, vraiment, soignez votre rapport avec le Seigneur. Amen. Le Dieu, ce n'est pas seulement l'église. Bien aimé, c'est ta vie de tous les jours. Amen. C'est ta vie de tous les jours. Amen. Mais nous sommes encore dans le temps. Je vais donner ce petit témoignage rapidement et puis on va continuer. Bien aimé, il y a un vent qui se prépare. Il y a un premier vent qui a soufflé. Les gens sont partis. Bien aimé, avant que le vent ne souffle, on nous a dit de prier. On va interroger Dieu pour voir vraiment si le ténèbre est dans ce réveil. Moi, personnellement, je n'ai pas eu à prier.
parce que je sais d'où je suis venu. Je vais vous conter un peu comment je suis venu à Jésus le Père. Mais les gars, avant mon mariage en 2021, j'ai regardé une vidéo, même avant ça, lorsqu'il était dans la voilage, à chaque fois qu'elle faisait sombre, je me voyais en train de prier, en train de faire des délivrances, en train d'évangéliser, en train de guérir les malades, dans les choses. Et à chaque fois que je me levais, je disais à ma mère, je dis, mais moi là-même, là, chaque fois qu'elle fait sombre, il y a une multitude d'hommes devant moi où j'annonce l'évangile. Et à la suite, c'est les délivrances. À la suite, c'est les guérisons. Il dit, mais je ne comprends pas le son. Enfin, il dit, ah, ça là même, on ne sait pas. Donc, le jour, en 2021, j'ai regardé une vidéo où l'apôtre faisait la délivrance de l'homme de Dieu Moïse. Il était possédé de l'esprit de Satan lui-même. Quand j'ai regardé la vidéo, le lendemain, il dit, non, ce homme de Dieu là, il faudrait que je le croise. Je l'appelle. Et c'est lui-même qui te croche la peine. Automatiquement, il a décroché, il m'a dit Shalom, homme de Dieu. Serviteur de Dieu. Dieu va servir Dieu ensemble. Il y a mon pote. Il y a derrière le potable. Il dit, mais attention. Lui, le reconnaît où? Depuis quand vous êtes serviteur de Dieu. C'est que lui là, c'est maçon. Il est approché. Il dit, c'est un plaisantin. Vérité, c'est ce que je vous dis. Il dit non, c'est un présenté. Lui, mais voilà, depuis ma père serviteur de Dieu, on va servir Dieu ensemble. Donc, ça là, ce qu'il a vu là, peut-être, c'est mis en scène. Et j'ai tourné d'eau. Et j'ai continué encore dans la lâche voix. Le Seigneur connaît ses enfants. Étant dans la lâche voix, un jour pendant mon songe, j'ai vu, bon, on m'envoie la nourriture pour manger. Et j'ai dit à la personne que je ne mange pas. Et la personne me dit dans le sol, il dit, regarde, voici ton apôtre qui a arrêté là. L'apôtre de la voilage. Il dit, mais le voilà qui a arrêté, il est avec nous. C'est ce que l'individu me dit. Il dit, mais avec nous, pas manger. Il est avec nous. Il dit, ah, d'accord, comme lui il est là, moi il mange. Mais il est bien mangé. Or, lorsque tu manges dans le sol, c'est la sorcellerie. Le Seigneur est en train de me montrer l'identité spirituelle de ce monsieur. Mais je n'ai pas compris. Moi, il est d'abord. Il est bien monsieur même. Et je continue. En 2021, après mon mariage, c'est là les choses m'ont changé. Où je travaillais avec une femme canadienne. J'étais diplomate canadienne. Moi, j'aimais le Seigneur dès le départ, étant même dans la voilage. Donc elle-même, là, je l'évangélisais. Et c'est comme ça, elle acceptait le Seigneur. Elle était en Côte d'Ivoire. À cause de moi, elle s'est déplacée jusqu'à propos. Vous venez dans mon église. Vous venez rencontrer l'homme de Dieu. Ben, elle était catholique. Voici les choses qui ont commencé. Voilà où le Seigneur va me montrer vraiment même que ce homme-là, c'est pas l'homme de Dieu. Faire la dame, elle avait une délivrance. Il faut payer à la dame 50 pommes. Une pomme à 5 000. Et c'est elle-même, c'est elle qui doit payer la pomme. La pomme. Elle est avec son neveu. Son neveu, comme il semble que lui n'a pas l'argent, lui n'a pas 10 pommes. Mais une pomme à 2 000. Et les 50 pommes, elle devait manger ça pendant 10 jours. Elle a donné l'argent. Et à la suite, elle devait faire une offrande. Elle a donné tout cela, elle a donné, ils ont donné les pommes, elle allait prendre, ils ont prié, ils ont sanctifié les pommes, elle allait manger. Donc, deux jours après, pendant 10 jours qu'elle a fini, elle devait faire l'offrande. Donc, avant l'offrande, j'étais au travail, et l'homme de Dieu m'appelle. Il me dit, mon fils, concernant l'offrande là, si elle vient te demander, elle va donner combien là? Il faut augmenter ça, il y a beaucoup. Là, si elle donne, on va se voir. Attention. Attention, ça m'a fait un choc. Automatiquement, j'ai appelé madame. Elle dit, ah! Voici ce qui se passe. Elle dit, non, elle a dit ça. Elle a dit ça. Donc,
comme le jour de l'offrande, on est parti, la dame, dans sa voiture à Bobo. Elle a donné l'argent. Elle est sortie. On sortait, puis il m'a appelé derrière. Moi, je ne sais pas ça comment elle a donné, mais ça a donné une enveloppe. Il m'a appelé, il a donné 20 000 dedans. Il dit, on le détient. Il dit, non, il ne prend pas. Il dit, non, c'est moi qui dois prendre. Il dit, non, il ne prend pas. Et je suis sorti. Depuis ce jour, ça a commencé à m'interpeller. Et quand j'ai mis pied à Jésus, il vient. Donc, madame était là-bas, moi, j'ai décidé de sortir. Une nuit, j'ai quitté le travail, j'ai croisé les soeurs en train d'évangéliser. Le monsieur a approché, il dit, mais il vous cherche à propos ici. Il dit, non, mais ici, c'est comme ça. Il y a un côté Dieu. Avant que je ne mette pied à Jésus, il vient. Il m'a dit, non, Dieu n'en porte pas. Comme de Dieu, oui, c'est vrai, mais Dieu. Il dit, non, porte pas. Moi, il sait pas. Il va arranger. Vous voulez tout me dire. Moi, il y avait PlayStation, PS2 à la maison. Bon, matin, midi, soir, moi, mes enfants. En ce qui est. Quand j'ai su, j'ai pris les plaies là. On dit de faire carrément, non, 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 je ne peux pas donner un poisson à quelqu'un. J'ai brûlé. Bien aimé, quand je suis venu à Jésus, chrétien. Après quelques temps, le Seigneur me montre encore l'identité spirituelle de celui qui était établi sur nous. En son temps, j'étais son nom. Dans le sens, c'était comme je marchais avec mes deux enfants. Et je l'ai vu en train de découper bien. Avec les gens de l'autre côté, à dire l'autre pays là. Ils étaient en train de couper Diane. Donc je me suis arrêté, il dit, mais lui il est là avec nous, non. Donc c'est un marabout, c'est un petit chef. La solution aussi. Dans le songe. Bon, je n'ai pas compris. Donc j'ai commencé à interroger le Seigneur. Il est en 2021, 2022. Je me suis dit, mais Seigneur, j'étais dans la voie là. Tu m'as montré l'identité de cet homme-là. Je suis sorti. Ici, on dit c'est ta bergerie. Voici le serviteur qui est établi sur nous. Lui aussi, là, tu me montres des choses comme ça. Il n'est pas sorti, il n'est pas comment, il va où? Le Seigneur me dit, mon serviteur est tranquille. Tu es dans ma bergerie. Là-bas, là, tu es sorti parce que ce n'est pas chez moi. Mais quand tu es arrivé là, c'est chez moi. Je te montre son identité. C'est elle-même qui va partir. Il y a un vent qui s'est préparé, il y a des gens qui doivent sortir, le Seigneur n'est plus avec l'homme de Dieu. Bon, c'est bizarre. Hein? Et j'ai fait un autre songe. Ouais, il fait songe. J'ai eu un songe. Et dans le songe, c'était comme nous étions 6 personnes. On était encore là-bas. On était 6. Et dans le son, c'était comme on était mort. Et on partait au jugement. Et quand on partait, j'étais en train de parler aux autres hommes. Vous là, quand on doit parler, on n'a pas écouté. On a dit de laisser à notre poste. On n'est pas laissé à notre poste. On a dit de suivre les hommes. On n'a pas fait. Voilà où on va là. C'est la mort. On va plus revenir. Quand on nous parle, on n'entend pas. En partant, j'ai vu. C'était comme la lumière était là. J'ai pas mis la force. J'ai vu une grande lumière. Et on partait vers la lumière. Et je me lamentais, tout comment on est foutu. Vous que vous connaissez mon sort, où on va là, c'est l'enfer direct. Et à quelque part de la lumière, j'ai vu la porte. Abraham. Il est sorti devant nous. Et puis on s'est arrêté. Et il a commencé à plaider. Il a commencé à plaider pour nous. Il dit, non, Seigneur, prends pitié de tes enfants, donne-leur encore une chance. Donne-leur encore une chance. Et la voix maintenant lui dit, à cause de toi. À cause de toi, amen. Je lui donne une chance. Mais si c'est le tout, car à eux, s'ils ne restent pas à leur poste, car à eux, s'ils jouent avec mes brebis. Donc après, on s'est retrouvé, la porte était derrière nous, comme un père en train de parler à ses enfants. Et vous interpellez maintenant, vous la faites, vous prenez chaque fois là, vous payez sa musulman. Bon, là-bas, si le Seigneur ne faisait pas grâce là, vous allez partir. Si vous retournez, car à vous, vous ne restez pas à votre poste. Il est en état là-bas. Le vent n'est pas encore soufflé. Je n'ai pas compris le songe. Je n'ai pas compris. Sérieusement, je n'ai pas compris. Puisque moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. Bon, les seuls qui sont établis aussi là, en ce temps, il ne valait pas 6 personnes. Je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que le vent souffle et la peau tient. Donc, je suis assis dans mon coin.
se m'interroger à ceci. Ce son là, ça veut dire quoi? Donc le jour la porte est venue nous appeler. Il a appelé 5 personnes. Automatiquement, mon idée est partie sur le sol. Il dit attention. C'est là, ce l'homme là, le Seigneur de Dieu, s'il a choisi 6 personnes. C'est que l'homme là, il est vraiment serviteur de Jésus. C'est ce que Messie dit, étant assis là-bas. Il a appelé 4 personnes. Et il a enterré, il dit, vous deux là, étant assis au mur. Donc il a dit, vous deux, derrière. Il dit, non, mais il y a personne derrière. Venez ici. Il est tremblé comme ça. Touchez-moi, le Seigneur m'a bien montré. Donc, quand ils sont arrivés, il a dit, bon, voici ceux-là qui sont établis sur vous maintenant. Hey! Il dit, mais Jésus, mais tu n'es pas n'importe, mais attention, Jésus, on ne peut pas se cacher devant le roi de gloire. Donc vous voyez, ceux qui sont partis, ne regrettez même pas, ne regrettez personne. Ne regardez personne. La Bible déclare dans l'Apocalypse 17, 14, je crois. Il y a les fidèles. Il y a les élus. Et puis il y a les appelés. Bien-aimés. Dans ces trois catégories de personnes, tu te retrouves dans quelle catégorie? Parce que c'est vent qui va souffler. Pas que c'est un vent qui va souffler. Mais il va souffler. Bien-aimés, pas. Parmi ces catégories de personnes, toi tu te qualifies ou bien tu te places dans quel groupe de personnes. Pourquoi quand ce pas soulever, tu ne sois pas apporté. Tu ne sois pas apporté. Bien-aimé, ne sois pas dans cette bergerie. Ne sois pas dans cette bergerie. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Sois simple. Moi, je n'ai pas eu à faire le son et à faire le prière pour voir si le Seigneur n'est pas là, si le Seigneur a quitté la porte. Le Seigneur m'a montré ça depuis même avant que le vent ne souffle. Il dit, c'est son serviteur. Donc, bien aimé, attachons vraiment, véritablement au Seigneur. Restons dans la barque. Restons dans la barque. Et servons le roi de gloire. C'est bon, le Seigneur est Seigneur. Et vous allez voir, il va faire des grandes choses avec nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Jésus. Bien-aimé, tu vas mettre ta poche dans les mains. Tu vas mettre ta poche dans tes mains. C'est-à-dire quoi? Va vider ta poche. Parce que quand tu mets tes doigts là, tu calcules. Voilà. Tu calcules, tu comptes. Non. La Bible n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu, la poche vide. Donc tu as rempli tes mains vides. Tu as rempli ta poche de la maison qui est venue là, vide là ici. Donc toi, reste là, marche pas. Tout ça, c'est les sacrifices pour Dieu. L'œuvre, n'en joue pas avec. Mon frère, n'en joue pas avec l'œuvre. Le temps n'est plus à l'amusement. Les temps sont mauvais, l'ennemi a décédé. Nous aussi, on ne va pas se rester. On ne va pas rester inacte. On ne va pas rester assis. Il faudra qu'on se lève. On dit prière pour les malades. On va bien sûr. On chacun de nous est rempli. Mais, ça là, tu veux rentrer au ciel. Il ne sait pas. On dit évangélisation. Il y a deux, trois personnes, une personne. Tu vas aller au ciel. Il y a un peu mon frère Mathieu qui dit, il y a un homme de Dieu appelé tête divine. Que le Seigneur utilisait. Il dit, arrivé au ciel là. On va te poser 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de fois tu as évangélisé? Combien de fois tu as prié? Jeûner. Va te poser cette question. Combien de fois tu as intercédé pour ton frère ou ta soeur? Tout ça, ils vont te poser ça là-bas. Donc, bien aimé, commence à te réveiller. Sors parmi les morts. Et allons annoncer l'évangile. Allons faire l'œuvre de Dieu.
si Dieu nous a retiré de la boue et nous avons sorti de ces églises d'un voyage, bien aimé, ce n'est pas pour venir dormir ici. Ce n'est pas pour devenir paresseux dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc, bien aimé, tu es interpellé. Le Seigneur, chaque jour, il nous rappelle son amour. Il nous rappelle son amour. Il faudrait que nous aussi, on exprime notre amour envers le roi de gloire. Bien aimé, ton amour vers le roi de gloire, c'est en faisant son œuvre. Lui, dans l'évangélisation, dans les jeunes prières, dans les intercessions. Bien aimé, sans cela, tu vas démontrer au Seigneur que tu l'aimes. Alors, bien aimé, tu vas te lever ce matin. Tu vas remettre encore les poings dans tes mains. Voici le panier des actions de grâce, les dignes et peu francs. Les gens. Ce qui s'aime dans l'air, ce qui s'aime en pleurant, rédonne en dansant. Ce qui s'aime dans l'air, ce qui s'aime en pleurant, rédonne en dansant. Il faut vivre bien, en dansant, il faut vivre bien, toujours joyeux. Il faut vivre bien, en dansant, il faut vivre bien, toujours joyeux.
demander au chant Paul de prier pour les divins offrandes et actions de grâce. Alléluia. Amen. Posons-nous. Père éternel, je bénis ton nom ce jour pour l'alpha et l'oméga. Toi qui as dit, t'es venu d'apporter dans ta maison avec le mon pas. Les enfants sont venus en ce matin, Père éternel. Et ce qu'ils ont eu, roi des rois, de tout leur cœur, ils ont déposé. Ceux qui ont donné, Père éternel. Ceux qui n'ont pas donné, ô roi de gloire. Que toi, tu les bénisses maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu les bénis à leur départ et à leur arrivée au nom de Jésus. Amen. Tu bénis leurs activités au nom de Jésus. Amen. Tu bénis, éternel Dieu, tout ce qui touchera, ô roi des rois. Car la bénédiction vient de toi. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Souviens-toi, Père éternel, de ceux qui n'ont pas d'activité. Souviens-toi de ceux, Père, qui ont des examens, qui ont des concours à passer, éternel Dieu. Toi qui as demandé, qui as dit à tes enfants, si nous manquons de sagesse, et nous te la demandons, Père éternel, viens remplir tes enfants. Viens les remplir, Père, afin que le boulot, ayant reçu le boulot, ayant éternel Dieu reçu l'activité, ils puissent encore bénir, glorifier ton nom dans ta maison. Ils puissent participer, éternel Dieu, afin que ton œuvre puisse aller de l'avant. Nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. C'est ton nom puissant, Père éternel, que j'ai prié. Amen. Amen. Mais tu vas te préparer pour l'action sociale. J'entends et des déserts. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. J'entends, j'entends.
Évangélisation non-stop.
Évaluation non-stop. Lundi, mercredi, à partir de 17h. Et samedi, à partir de 8h30. Et le samedi, à partir de 8h30. Cette semaine, nous serons encore à Kipak. Le lundi. Nous étions à la nouvelle gare. Voilà. Voilà, pourquoi la nouvelle gare. Mais cette semaine, nous serons encore à la nouvelle gare. Lundi, mardi, à partir de 17h. Et le samedi, à partir de 8h30. À la nouvelle gare. Délivrer des âmes tous les jeudis à partir de 8h à Benjaville, juste après Jules. Délivrer tous les jeudis à partir de 8h à Benjaville, juste après Jules Ben. Baptême tous les samedis à Bassan. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Délivrance. Je vais revenir là-dessus. Venez à la délivrance. Bien-aimé, je vais vous relater quelque chose. Ce qui s'est passé cette semaine. Il y a un bien-aimé. Il y a un frère de l'église d'Angrée, Isaïe, le caméraman. Le mercredi, lui et moi, on devait se croiser vers la pharmacie des Aïs. Parce que j'avais avec moi la clé de la chaudière. Il était prévu que je parte là-bas le jeudi, mais comme je ne me sentais pas bien, donc je lui ai dit, venez, on va se croiser. Donc, vers 19h, je suis sorti pour aller au lieu de rendez-vous. Donc, quand je suis arrivé, il m'a appelé. Il m'a dit, viens vers Cousteau. C'est vers Terminus 91, c'est une école privée. Donc, moi, je me dirigeais pour partir. Et puis, mon appui est venu à le vent. On vu qu'il n'était pas trop en forme. Donc, je me suis caché quelque part. Et j'ai une heure, presque deux heures, après, il est venu. Donc, il est venu, il m'a dit, ah, quand il venait là, il y avait un cas. Ouais, quand on vous dit, je venais à la délivrance, vous êtes des soldats, nous sommes des soldats. Un soldat, il est prêt à toute éventualité, il est prêt à toute éventualité. Lorsqu'il venait là, passer devant lui, il y a une villa en bordure de route. Il y avait une jeune fille qui rentrait, elle a piqué une prise, elle est tombée. Et il y avait une dame qui était là, elle était le médecin. Donc, elle était en train de faire ses connaissances. Avec ses connaissances. Or, la fille était en train de mourir. Donc, lui, il a vu, il partait, l'esprit de Dieu, il lui a été réveillé. C'était un cas de délivrance. Donc, c'est là qu'il a vu son épouse m'appeler, il dit, viens. Vers Cousteau. Et il y a un cas, au moins je n'ai pas entendu la dernière partie, là, moi j'ai juste entendu bien au Cousteau. Ah, c'était un cas de délivrance sous la pluie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a délivré la bien-aimée, il y a un esprit de mort. Donc vous voyez, imagine s'il n'était pas là, la pluie mourait parce que quelqu'un qui est en train de mourir, on n'a pas lui donné à boire. Et sa famille était dans la maison là-bas et il regardait par la fenêtre. Donc lui, il était en train de prier. Et vous voyez, donc, c'est pour vous dire que quand vous devenez à la délivrance, parce que lui, c'est un habitué. Moi, il m'a dit, c'était toi. Quand ils ont appelé ambulance. Ça, l'ambulance ne peut pas faire ça. Alléluia. Donc, parce que moi aussi, j'avais bien entendu, j'avais peine de pouvoir arriver là-bas. Donc, sous la pluie, là, il a fait, le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire, quand vous devenez à la délivrance, ça vous attend. Je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que c'est du monde. Un bon jugement vient taper à ta porte. Une heure, deux heures. C'est là que tu vas comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Baptême tous les samedis à Bassan. Prévois un habit de rechange. Plus le transport 1000 francs. La 1000 francs, c'est pas pour aller à Bassan. Le baptême se fait dans un village
de passant. Le transport c'est 1000 francs. Donc tu prépares tes 1000 francs. Prière pour les malades, mardi et vendredi, midi 13h, 18h, 19h. Mariage. Mariage du frère Samson. Le 15 juin 2024, à Bassam. Bien aimé, tu n'as pas encore payé son pagne. Bon, commandez. Ceux qui veulent le pagne, veuillez voir la soeur Esther, Esther Faveur, celle qui s'occupe du pagne. Le pain coûte, le morceau coûte 1000 francs. 1000 francs le morceau. Le mariage c'est le 15 juin. À Bassam. Bien aimé, nous n'allons pas aller les bras par là. Nous avons constaté à Boubou, c'est vrai, on va dans les mariages. Avant on ne partait pas, on nous a interpellé, on va maintenant dans les mariages. Mais on va manger pour le béni. C'est pas joli à voir. Donc il y a un mariage qui se prépare. Donc il faudrait que Abouba parte aussi avec son cadeau. Au moins présent pour donner le marié. Donc bien aimé, on va se préparer pour ça. Quelqu'un dit avec moi Pentecôte. Pentecôte. Mesdames, nous avons fêté notre Pentecôte. Le 2 juin 2024. Nous allons le fêter ici. Nous allons le fêter ici. Bien aimé, concernant la Pentecôte, on a décidé comme ça que chacun vienne avec une sa nourriture pour qu'on puisse partager ensemble. C'est-à-dire, toi qui es marié, tu es ici avec ton mari ou avec ta femme. Que ta femme prépare la maison pour vous. Maintenant, toi, jeune fille, tu vas aussi préparer la maison pour venir, tu peux faire. Si son mari n'est pas là, si sa femme n'est pas là, elle-même peut préparer pour envoyer. Dans le cas contraire, pour les célibataires, il y a une personne qui est déléguée pour préparer pour vous tous. Elle est là pour préparer pour les célibataires. Donc veuillez voir la soeur Esther Tibou. Elle est où? Faveur. C'est le matin. Elle peut pas me laisser le matin.